bordel, il y a un flingue. Heureusement qu'il y a Patrick, hein. Il est où là? Bien, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec le peloton de gendarmerie de haute montagne mes amis, parce que comme vous le voyez la neige est tombée, ça y est, elle a recouvert toute la ville, là, toutes les montagnes, et regardez-moi ce magnifique ciel bleu qu'on a. Franchement, ça c'est un temps à aller faire du ski. Bref, aujourd'hui on est avec Patrick et on va intervenir sur tout type d'intervention. Donc j'espère que ça va bien se passer. Donc les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que je vais faire des petites vidéos spéciales où je vais patrouiller avec des véhicules type motoneige, hélicoptère. Je vais peut-être patrouiller en ski les amis pour être encore plus réaliste. Je vais voir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Nous, on a une inter là, donc on s'y rend tout de suite. Regardez-moi, je vous ai pas présenté le magnifique véhicule aussi. Regardez-moi ça, ce magnifique véhicule de secours en montagne. Voilà, il est disponible dans la description avec la tenue. Allez, nous, on y va, parce que là, on a une inter. J'espère que ça va bien se passer. Alors, donc là, on recherche une personne suspecte qui a un comportement bizarre. Donc on va... Ouais, on va arrêter cette personne-là. Oh bah, elle a un couteau. Elle a un couteau. Oh bordel, elle a un couteau. Je vais essayer de lui lancer une boule de neige dans la tête. Je sais pas si ça va l'arrêter. Oh, oh. Ah, j'ai pas eu le temps. C'est bon, Maurice, c'est bon, calme-toi, calme-toi. Monsieur, mettez-vous au sol. Ah bah, il est au sol. C'est bon. Je voulais y balancer une boule de neige dans la tête, mais j'ai pas eu le temps. Parce que j'ai mis des cailloux dedans, c'est pour ça, donc ça m'aurait sonné pareil que mon arme. Ah, mais ils sont déjà là, oh, la vache, ils ont fait vite. Bon, on a eu un petit souci, le caporal. Là. Ce monsieur avait un couteau sur lui, on a été obligé d'intervenir. Bon bah ça commence bien les amis. Ça commence déjà bien. Est-ce que... Oh il est mort. Ah mince. Ok bon bah on va appeler les services concernés. Bon bah allez. On va appeler la gendarmerie scientifique. Ah, du coup j'ai perdu mon bonnet. Voilà, je vais avoir froid aux oreilles. Bon bah... on va le laisser là. On va repartir en mission. Nous. Ah, ça y est, ils sont là, les... Vous me prenez les photos, les gars. Circonstances du meurtre, balle dans la tête, je crois. Vous me prenez les photos, tout ça. Vous me ferez un rapport. Allez, nous, on a autre chose à faire. Parce que ça a l'air d'être plutôt mouvementé, ici. Là. Donc, on se retrouve pour une prochaine inter, les petits potes. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bus? Un bus qui est en train de se faire... Ok, ça on prend. Ça on prend, les gars. Oula. Je suis où, là? Il y a un bus qui s'est fait voler, je crois. J'appelle du renfort direct. J'appelle du renfort. Poussez-vous. Poussez-vous, les paysans. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur gendarmerie, descendez du bus. Il est à l'intérieur? Ok, non, il est encore à l'intérieur. Descendez, monsieur, descendez, là. Il veut pas descendre. Il y a personne à l'intérieur? Non. On crève les pneus, on crève les pneus. J'ai crevé les pneus, je crois. Non, non, ne monte pas là. Remonte, Patrick. Remonte. Patrick, remonte. Bon, bah, tu vas avec les collègues. Hein. Tu peux pas remonter, hop. Parce que là, il est un peu loin, déjà. Oh, la vache. Ah bah oui, la mégane. Ouf. Je crois que j'ai planté les collègues. Oh mince, je leur ai fait un sale coup, collègues. Ils se sont pris la bagnole par ma faute. Bah ils roulent moins bien avec un pneu en moins. Eh hey, monsieur, là c'est la gendarmerie, arrêtez-vous. Monsieur, arrêtez-vous là, ça suffit là. Oh, et il me défonce. Il est malade lui.
Et poussez-vous, monsieur paysan, à retourner sur farming. Bordel. Bon, lui. Je vais crever le pneu. Ah, j'ai écrasé un lapin, tant pis. Il va pas s'arrêter ce bus là. Et il va falloir qu'il s'arrête hein, parce que moi je vais pas. Allez, arrêtez-vous là, descendez. Bordel, mais il me défonce. Bordel. Descends de là, toi, dépêche-toi là, descends. Voilà, bah ouais, allez hop. J'ai mis une balle fatale. Là. Je vais pas descendre. Là, voilà. Et il fait plusieurs sommations. Au bout d'un moment, ça suffit. Hein, je vais le sortir de là, allez hop. J'ai appelé les pompiers. Où sont les pompiers? Et je l'ai tiré dessus parce que là, il m'aurait percuté sinon. Donc là, c'est légitime défense, hein, les gars. Bon, monsieur, est-ce que vous m'entendez là, monsieur là? Serrez la main du pompier. Je pense qu'il nous entend plus. Oh mince, il a pas survécu. Bon bah, j'appelle la scientifique et on repart. On repart. Je vais aller chercher Maurice. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un clown là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Eh les gars, restez là les gars, restez là! Oh bordel, il nous laisse dans un... Attendez, j'ai une boule de neige. Attendez, là je vais jeter la boule là lui. Il y a un clown avec une machette. C'est fini les clowns tueurs là. Attendez, je vais essayer de le... Ouais, ça y a rien fait. Faut que je me rapproche. Vas-y, ça y fait rien. Monsieur, bonjour. Gendarmerie. Merci. Monsieur, restez au sol. Restez au sol, monsieur. Oh la vache, j'ai... Oh bah je l'ai tué, non. J'ai mis un peu trop de cailloux dans les... Attendez, monsieur. Hey, monsieur, ça va ou quoi? Vous m'entendez? Et c'est une boule de neige que je vais lancer, c'est pas... Oh, monsieur. Il plaisante ou quoi, là? Gars, j'ai balancé une boule de neige et... On va attendre les pompiers, voir ce qu'ils disent. Ils sont où, les pompiers? Ah, ouais, ils sont là. Est-ce que vous pouvez vous occuper du monsieur, là? Je crois que j'ai un peu trop forcé sur les cailloux dans la poule de neige. Je crois que je l'ai assommé. Et lui, à mon avis, il est pas mort. S'il est mort, lui, il y a un problème. Donc j'ai pris sa machette, hein, au cas où... Ah, ok. Je vais sortir le taser. Monsieur, ça y est, vous êtes avec nous. Gendarmerie, là. Venez là. Vous faisiez quoi avec votre machette là? C'est fini Halloween. Faites voir votre pièce d'identité s'il vous plaît. Il a... Bordel, il a un flingue. J'aurais dû le fouiller avant. Bordel. Heureusement qu'il y a Patrick. Hein. Il est où là? Il est où? Mettez-vous au sol monsieur. Au sol. Il me tire encore. Il me tire dessus encore. Bah j'ai été obligé de la battre. Voilà. Oh, ah, j'aurais dû le fouiller dès le départ. Ah, j'ai voulu être gentil, demander sa carte et voilà. Ça m'apprendra. Voilà, occupez-vous de lui. Faites gaffe, il est peut-être encore dangereux. Et là, je pense que j'ai tout pris là. Et occupez-vous de lui, les gars là. Il y a 50 pompiers, il n'y en a pas un qui va s'occuper du corps. Il y en a un autre qui arrive, eh ben dis donc. Range ton arme, Patrick, c'est peut-être ça qui leur fait peur. Pourquoi ils ont peur? Ah bah voilà, bon bah.
Je vais appeler la gendarmerie scientifique, encore une fois. Ils ont du boulot ce soir. Et hop, bon, bah Patrick, on est reparti. Heureusement que tu étais là pour... Là, tu m'as sauvé la vie, mon pote. Ah, merci. Il m'a encore sauvé la vie, Patrick. Heureusement qu'il était là. Allez, on est reparti. Tu montes derrière? Bon, ok. Si tu veux. Ah, allez, ferme la porte, par contre, ouais. Bon, bah là, on a eu chaud encore. Heureusement que... Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il a un pneu crevé. Hé, arrêtez-vous! Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est malade! En fait, il a un pneu crevé, il roule. Allez, arrêtez-vous! Il veut pas s'arrêter, lui. Monsieur, gendarmerie, arrêtez-vous! Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait? Ouh, bordel, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mettez-vous au sol! Au sol, au sol, au sol! Pourquoi il prend la fuite? Bordel. Mais voilà, bah oui, y a des animaux là. Mettez-vous au sol, bordel, mais mets-toi au sol, dépêche-toi. Gendarmerie là, mets-toi au sol. Dépêche-toi là. C'est pas grave s'il y a de la neige, tu te mets au sol, tu te dépêches. Voilà, parfait. Mettez les mains derrière le dos, monsieur. Voilà, vous êtes en état d'arrestation. Hop. Non mais attendez, pourquoi vous prenez la fuite là? Je sais que vous avez un pneu complètement crevé, mais c'est pas une raison, monsieur. Alors attendez. Alors, attendez, je vais vous déménoter là. Vous n'avez pas intérêt de vous barrer, sinon ça va mal se passer pour vous. Revenez là. Revenez là, ouais. Vaut mieux. Donnez-moi votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Ah, j'aurais dû le fouiller. Ok, merci. Tournez-vous là, je veux procéder à une palpation de sécurité. En même temps, je vais faire une recherche. Vous n'avez rien de dangereux sur vous, monsieur, hein? Ok, d'accord, j'ai compris pourquoi il a pris la fuite. Ouh, il a un petit revolver sur lui. Ok, d'accord, merci les gars. Ok. Donc monsieur, je vais vous placer en garde à vue. Je vais vous mettre les menottes là. Tournez-vous, mettez les mains derrière le dos. Voilà. Et je vais vous confisquer votre pistolet que vous avez sur vous là déjà. Voilà. Et j'avais appelé Brigitte pour qu'elle vous emmène à la gendarmerie. Monsieur, je vous annonce que vous conduisez sans permis là. Donc je comprends mieux pourquoi. Vous êtes parti en courant dès que vous nous avez vus là. Oula, c'est la mobile qui arrive. Qui c'est qui arrive là? Ouais, c'est Brigitte. Ah, elle a pris la camionnette de la mobile. Bon, monsieur, vous suivez ma collègue là. Et vous avez fait un petit séjour en gendarmerie. Je vais m'occuper de votre véhicule. Ah, il y a un gars là. Il y a un gars. Monsieur, descendez s'il vous plaît là. Vous croyez que vous avez pas vu ou quoi? Faites voir votre pièce. Oula, il sent l'alcool, mais. Pièce d'identité, papier s'il vous plaît. Ah, ok, il n'a pas le permis port d'armes. Donc monsieur, je vous annonce que vous pouvez pas reprendre le volant, vous êtes alcoolisé là, vous sentez l'alcool à plein nez. Donc vous avez le permis. Bon. Ce que je vais faire, monsieur, je vais vous appeler un taxi et vous allez rentrer en taxi. Je vais appeler mon collègue. Oh la vache, il passe à fond, mais il est sans casque. Je peux vous dire qu'il y a du boulot dans cette ville. Il y a du boulot. Ok, le taxi là. Dis donc, ils sont rapides par contre. Montez dans le taxi, monsieur, il va vous ramener chez vous. Et je m'occupe du véhicule. Je vais appeler une dépanneuse. Oula. Ah, je suis monté. Descends de là, toi, bah oui. Et la dépanneuse arrive. Parfait. Hop là. Attention, Patrick, tu vas te faire écraser. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Attendez, mais c'est quoi ce bordel, là? Tout s'enchaîne, là. Monsieur,
Oula, monsieur, 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 gendarmerie, arrêtez-vous là. Il est complètement défoncé, lui. Oh la vache. Phare évasion, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est. On prend ça. Oh! Monsieur, alors attendez. Vous allez me suivre, monsieur, là. Suivez-moi, dépêchez-vous, on va vous emmener avec nous. Montez dans le véhicule, là. Montez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, monsieur. Il veut pas monter. Il veut pas monter, mais c'est pas grave, on la laisse ici. Patrick, il est où? Il est parti à pied, Patrick. Eh, monsieur! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Je l'ai percuté, je l'ai percuté. Monsieur, arrêtez-vous là! Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Monsieur, mettez les mains en l'air, voilà. Mettez-vous au sol. Qu'est-ce qu'il fait? Faites gaffe, hein. Faites pas de gestes brusques. Ok, qu'est-ce qu'il se met à genoux? D'accord. Ok, je vais vous arrêter, monsieur. Alors, regardez cette arrestation. Là, c'est stylé. Regardez cette animation. Regardez comment il va l'arrêter. Ah non, qu'est-ce qu'il fait? Ah si, regardez. Hop là, pof, pof. Ouh, ça doit... Il y va pas avec l'eau de la cuillère. Là. Je trouve que c'est grave stylé comment il l'arrête. Allez, monsieur, vous allez me suivre. Et on va vous emmener à la gendarmerie. Voilà. Montez là-dedans. Du coup, l'homme qui est complètement bourré, là, je l'ai laissé au milieu de la route. J'aurais peut-être pas dû parce que ça se trouve, il est sur le capot d'une voiture. Là. Bon, de toute façon, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Ouais. Zéro, c'est quoi zéro? Mince. Bon bah tant pis. Bref, les amis, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit commentaire. Allez, salut.